Toujours aucun signe de Rutland. Tu as découvert ce qu'il fait là? Non, mais j'ai du nouveau. En voyant la carte, Winston m'a dit que tes parents étaient venus ici. Apparemment, ton père a fouillé ce site avant ta naissance. Oh, ça, j'ai l'habitude. Il est allé un peu partout. Si ça tourne mal, je me recycle dans les cartes postales. Non mais regardez ce petit ermite qui a du tout. N'aime pas ces bêtes. Ils n'ont pas l'air d'être passés par ici. À ton avis? On verra. Plonger d'une falaise m'aide à réfléchir. L'eau est absolument délicieuse. Le Ghana m'a manqué. Les entrées grandioses sont rarement pratiques. C'est ce qui fait leur charme. Lara! Vous n'abandonnez donc jamais? Tiens, tiens. Voilà Rutland. Et si vous descendiez bavarder un peu? Ça dépend de la portée de votre arme. Vous savez bien que les relations à distance finissent toujours de façon tragique. Je vous souhaiterais bien bonne chance. Mais bon. Alistair devrait jeter un coup de massa. Il essaie toujours de découvrir d'où viennent exactement ces morceaux d'épée. Nous sommes seuls pour l'instant. C'est du moderne. Les hommes de Rutland ont dû l'utiliser pour se déplacer. J'ai déjà vu ça. Dans le carnet de mon père. Il est venu ici. Zut, c'était pas Rutland. Il doit toujours être dans le coin. Comme piège. Pour l'instant, non. Quelque chose doit bloquer le mécanisme. Thank you.
Il faut que ces pièges bougent pour que je puisse passer. Y'a que toi pour penser ça. Je n'aime pas ça du tout. C'est à vivre, autant le faire dangereusement. Ce canal descend directement vers la roue. Sans quelques milliers de litres d'eau, pas de roue à eau. Eh oui, ça ne marche pas.
c'est mieux. Tu sais, tu me fais peur. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Maintenant. Anna me manquait. Tu as encore échappé de justesse à la mort, je vois. Te voilà, Alistair. Alors, tu as trouvé quelque chose sur le fragment d'épée? Oui, j'ai découvert quelques trucs. Je suis parti des marques sur l'artefact pour essayer d'imaginer les motifs entiers. J'ai découvert que... Oh, je crois qu'on a... Alistair? Zip? C'est bizarre. Ces ordinateurs, et je ne peux même pas leur parler. Allô? Est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Fais là. Oh. Chère Amelia, à jamais vôtre, Richard. C'était à ma mère. Zip, tu m'entends? Où es-tu?
Lara, vous cherchez la clé Galali, vous aussi? Parfait. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Ah, mais si! La clé qui permet d'assembler l'épée. Elle fait la taille du poing. Et d'après les travaux d'Amanda, elle est ici. Que savez-vous sur Amanda? Où est-elle? Alors, votre père a fait des fouilles ici, non? Amanda s'est dit que peut-être il avait la clé. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Parlez-moi plutôt de ce fragment d'épée que vous emportez partout avec vous. Ben, j'ai passé du temps à l'étudier et j'ai appris deux ou trois choses. Regardez bien. Très bien. Comme vous voudrez. Très bien. Comme vous voudrez. Regardez ça. Vous aimeriez bien faire pareil, hein? Soyez-vous dire! Vous aimeriez bien faire pareil, hein? Vous êtes prête? Regardez ça. Très bien. Comme vous voulez. Soyez-vous dire! Votre jouet semble assez pratique, maintenant. Bien, bien. Vous êtes prête? Regardez ça. Soyez-vous dire! Vous aimeriez bien faire pareil, hein? Très bien. Comme vous voudrez. Prête? Regardez ça. Soyez maudits. Très bien. Comme vous voudrez. Vous êtes prête? Regardez ça. Très bien. Comme vous voudrez. Vous aimeriez bien faire pareil, hein? Très bien. Comme vous voudrez. Vous êtes prête? Regardez ça. Ce n'est pas moi votre ennemi, Rutland. Ces morceaux n'ont pas été brisés. Ils sont faits pour être séparés, puis réunis. La clé Galali, c'est ça? Inutile que je vous demande d'où ça vient. Les croisades? Le roi Arthur? L'histoire ne m'intéresse pas. Alors restez donc ici et pensez à l'avenir. Mais ne m'associez plus à vos projets. Vous détesteriez me revoir. Votre père n'a peut-être pas trouvé la clé, mais Amanda ne le sait pas. Elle doit déjà être chez vous. J'espère que vous êtes bien assurés. Ah, oh, quand même! J'essaie de te joindre depuis des lustres, tout va bien? Il veut bien défoncer la porte d'entrée. Il y avait une sorte de... J'ai jamais vu un truc pareil. De la fumée noire. J'arrive immédiatement. Et essaie de trouver un objet appelé Clé Galali. Quant à moi, on dirait que je pars pour le grand froid. Vois-toi. Non, ça va chauffer.